Deputy Standall. Here's the thing about the kids at Liberty High. They're connected by their secrets. Just going home, have a late, late show. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un peu différent, je suis dans mon nouvel appart, ça me fait bizarre de dire ça. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le rendez-vous annuel, celui qui a lieu tous les ans. Si vous me connaissez, vous savez de quoi je parle de mon update sur la série 13 Reasons Why et de mon avis dessus, parce que tous les ans j'ai fait une vidéo concernant la saison qui sortait. Et l'année dernière, ça vous avait vraiment pas mal plu. En même temps, j'avais quand même regardé la série en une journée et demie et je vous avais fait une vidéo alors qu'elle était sortie depuis deux jours. Enfin bref, cette semaine, ça n'a pas été le cas. Je l'ai quand même regardé assez rapidement, mais pas en une journée et demie parce que j'avais ma rentrée et aussi parce que il fallait se faire des amis. Hein, donc petite sortie tous les soirs, on adore. Si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, comme c'est pas mal arrivé l'année dernière, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse. Je fais pas que des vidéos où je parle de séries parce que je pense que je tournerai en rond. Des vidéos où je parle de plein de sujets différents, je parle parfois de culture, je parle parfois de lecture, parfois je fais des vlogs aussi. Enfin bref, donc je pense que tout le monde peut trouver un peu un truc qui lui plaît sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, j'oublie tout le temps de vous le dire, mais j'adore Insta, j'essaie de faire vraiment des efforts. Enfin là, j'ai un peu déserté ces derniers temps, mais je reviens en force. Pour la partie sans spoil, je vais pas avoir énormément de choses à dire, étant donné que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez un minimum la série. Je pense que je vais juste répondre peut-être à la question, est-ce que ça vaut le coup de regarder la saison 3, parce que... Bon, la saison 2, tout le monde avait envie de la voir, mais moi je trouve que, vu comment finissait la saison 2, c'est-à-dire avec Tyler qui commence à péter son câble, je me demandais vraiment ce qu'ils allaient faire. Ça me semblait en fait un peu improbable qu'ils s'avancent autant sur le port d'armes aux États-Unis et tout, parce que c'est quand même un sujet vraiment d'actualité, c'est un sujet qui pose beaucoup de problèmes aux États-Unis. Et ça reste quand même une grosse firme Netflix, enfin ça me paraissait étrange. Et je vais pas trop vous spoiler, mais j'avais à peu près raison, enfin c'est bien ce que je me disais. Il n'y a pas énormément de discours sur le port d'armes ou quoi, voilà, c'est assez implicite. Je pense que si vous avez été choqué par les saisons précédentes, celle-là est plus soft. Alors je suis désolée, l'année dernière j'avais dit ça et c'est vrai j'avais oublié la scène dans les toilettes. Même si elle n'est pas oubliable, mais j'avais juste pas regardé. Je pense qu'ils ont pris en compte tout ce qui avait été dit et ils ont essayé de faire une saison moins choquante. Donc il n'y a pas de scène, à moins que je ne me souvienne pas, mais il y a toujours des scènes de violence, il y a toujours des scènes voilà, un peu olé olé encore, mais ça reste quand même assez... assez soft par rapport à ce qu'on a vu dans les deux premières saisons. Et je crois que dans les deux premières saisons, certaines scènes ont été finalement retirées des épisodes, donc voilà. Pour les spoils, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais plutôt parler des aspects négatifs et des aspects positifs. Enfin, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, comme ça, ça va me permettre de développer plein d'autres sujets. Mon premier point négatif, et j'ai lu quelques avis et apparemment je suis pas la seule à penser ça, c'est qu'il y a trop de sujets qui sont abordés, trop de problèmes sociaux qui sont abordés et qui sont vraiment pas assez, comment dire, approfondis. Je pense que le thème du viol a été bien approfondi, enfin, c'est un thème dont ils ont décidé de parler, c'est un problème qu'ils ont décidé de traiter. Et qu'on dise qu'il est bien ou pas bien traité, ils l'ont fait et genre ils sont vraiment allés assez loin. Mais je trouve que il y a trop de sujets, je veux dire, Justin qui est accro à la drogue par exemple, on en a un peu parlé je crois dans la saison 2, mais vous voyez je finis la série et je me dis mais c'est quoi, enfin il parle un peu de centre de détox, mais encore une fois ça reste vraiment assez vague et enfin j'ai l'impression qu'ils veulent à chaque fois mettre à chaque personnage dont souffre la société, et je suis d'accord, c'est à peu près ça dans la vraie vie, mais ça devient
limite caricatural en fait. Ça fait exactement pareil avec les personnages, je sais pas ce que vous en pensez, mais malgré plusieurs saisons, j'ai l'impression que certains personnages sont pas approfondis parce qu'ils veulent tellement mettre des nouveaux trucs et tout, qu'à la fin tu te demandes mais qui est ce personnage en fait? Quel est son caractère? Qu'est-ce qu'il fait? Moi ça m'a fait ça avec Monty. Je sais pas pourquoi mais lui en fait j'ai beau le voir souvent dans la série, j'arrive pas à savoir genre... Enfin c'est comme son pote, celui qui est tout le temps avec lui, c'est que vers les derniers épisodes que j'ai capté qui c'était, à quoi il ressemblait, parce qu'en fait il y a tellement de personnages et je m'étais déjà fait la réflexion durant la première saison, je me souviens et j'en avais parlé, après il y avait des gens qui étaient pas d'accord avec moi, mais je trouve que voilà, parfois il part tellement dans tellement de sujets, de nouveaux persos, de trucs comme ça, et c'est même pas qu'une histoire de nombre je pense, que tu te retrouves à être complètement paumé dans l'univers et dans la logique de l'histoire. Par rapport à un nouveau personnage, c'est celui d'Annie, il m'a posé un peu problème parce que j'avais l'impression qu'il faisait un Anna version 2. Enfin, je trouve que c'était pas du tout original, genre c'est une fille qui parle. J'ai juste bien aimé le fait qu'elle parle au shérif parce que je trouve qu'elle arrive à rajouter du suspense. C'était intéressant, ça reprenait l'empreinte un petit peu de la série et tout. Moi, elle avait vraiment le même caractère qu'Anna sur plein de points, un peu flirter avec le danger et puis après aller voir Clay. Enfin, la relation entre elle et Clay, je trouve que c'était la même à peu près qu'entre elle et Anna, lui et Anna, et donc je trouve que c'est pas original et on tourne en rond en fait, et Clay en fait c'est toujours le gars un peu neuneux, et franchement, je me disais, ça se trouve, il a vraiment tué Bryce, et ça nous fera un petit peu... Bon, ça aurait été un petit peu dommage, on va dire, si on s'attache au personnage, mais ce personnage, beaucoup de gens le trouvent un peu con et un peu chiant, désolé des termes, et donc je pense que ça aurait pu lui donner un peu de dynamisme, et qu'on se dise, ah ouais, ouais, ils nous ont surpris, enfin, ils ont décidé de vraiment envoyer du paquet. À passer au coupable. Dans les faits, si j'avais regardé le dernier épisode au début, je me serais dit c'est pas bête l'histoire d'Alex qui tue Bryce. Et voilà, je me serais dit c'est pas mal, c'est pas non plus trop simple. Sauf que ce qui me pose problème, c'est que je pense qu'ils ont voulu faire un peu un coup de théâtre au dernier moment, c'est-à-dire revirement de situation en fait, c'est Alex. Et qu'on ne le soupçonne pas pendant la série, sauf que en fait on peut pas le soupçonner parce qu'on le voit pas. Et donc au bout d'un moment je me suis dit je pense que c'est Alex parce qu'on le voit tellement pas qu'ils ont voulu faire ça, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que si tu oublies le personnage en fait, moi j'étais plus attachée à lui alors que je me souviens que dans les autres saisons j'aimais beaucoup ce personnage là. Et c'est un peu décevant de autant peut le voir et en fait je trouve que c'est trop simple de le mettre en coupable parce que s'ils avaient mis un personnage auquel on était vraiment très attaché comme Jessica, et bah tout le monde aurait été hyper déçu du personnage, dire ah mince elle a tué quelqu'un et tout, alors que là vu que c'est Alex et qu'on le voit pas depuis une saison, qu'en plus à chaque fois qu'on le voit il est désagréable avec tout le monde et il sert à rien, donc je pense qu'ils auraient tellement plus aller dans sa relation avec Bryce, la relation de Alex et Bryce, parce que on voit que Alex il a une sorte d'attirance pour Bryce dans le sens où je pense qu'il l'admire et tout, alors que malgré ce qu'il a fait, et ça aurait été super intéressant d'aller un peu plus loin, et alors que là le fait qu'il le tue c'est pas très logique, c'était quand même un de ses potes, enfin ils traînaient quand même beaucoup ensemble, et donc voilà, et le seul moment où j'ai trouvé Alex émouvant c'est vraiment le dernier épisode, et moi c'est le dernier épisode qui m'a fait changer un peu d'avis sur toute la saison parce que je trouve que c'est le seul qui est vraiment très bien, où j'ai eu des émotions parce que les autres, j'en avais pas énormément malheureusement. On va passer au point positif ou au point où je suis assez mitigée. Donc le point où je suis le plus mitigée, c'est par rapport à Bryce, au personnage de Bryce. Parce que je trouve que c'est intéressant dans cette saison. Il y a une réponse au problème qu'on a vu précédemment. Dans le sens où dans beaucoup de séries, tu vois l'acte, par exemple une fille qui se fait violer ou je ne sais quoi, mais après t'as pas la suite en fait, t'as pas tout le processus d'après. Et donc là, il y a eu tout ça, il y a eu tout ce que Jessica fait pour essayer de s'en sortir, le fait qu'elle est une survivante, comme elle l'explique, tout ce que fait Tyler, tout ce que fait Bryce pour essayer de se faire pardonner, et... ça, j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai trouvé que ça répondait aussi à un besoin que beaucoup de gens ont formulé par rapport à cette série qui faisait du
de certains actes, des choses assez glamour comme le suicide ou quoi. Et ça montre que non, en fait, c'est pas glamour que j'ai lu et je suis assez d'accord. Le problème, c'est que en rendant un peu d'âme au personnage de Bryce, on en vient presque à excuser ses actes parce que forcément, t'attache entre guillemets au personnage, et je sais que enfin en vrai c'est réaliste parce que dans la vie de tous les jours, il y a des gens, ils commettent des meurtres, ils font des viols, et ils ont toujours des familles qui les défendent derrière parce que c'est l'amour. Voilà, je suis assez mitigée sur ce point, et encore une fois, dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi votre avis. J'ai trouvé que la série était toujours intéressante dans le sens où je me suis pas non plus ennuyée, j'ai pas arrêté de la regarder, surtout vers la fin. Ça devient plus en fait, on suit leur vie du groupe d'amis, mais je trouve ça intéressant parce qu'on voit vraiment évoluer leur groupe de potes. Et enfin, je sais pas si on peut appeler ça un groupe de potes, mais on se sent en immersion, j'ai l'impression, dans la série à certains moments. Et donc, pour ça, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était bien de voir les acteurs grandir plutôt mentalement, parce que bon, ils font tous déjà vu physiquement. Par exemple, avec le couple de Jessica et Justin, j'aime beaucoup ce couple parce que je trouve que c'est vraiment processus de reconstruction en images, et ils pouvaient un peu, je trouve, se casser la gueule par rapport au fait de les remettre ensemble, les scénaristes, parce que c'est vrai que ça pouvait encore une fois faire polémique, mais je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, que le couple est, enfin, c'est la réalité, on voit que c'est pas parfait et que ils auront sans doute toujours du mal à se reconstruire tous les deux ensemble, mais que ils ont pourtant décidé de faire ce choix-là, et j'ai beaucoup aimé tout ce qui tournait autour d'eux, et j'ai pas trouvé ça trop cucu non plus, parce que des fois j'ai un peu du mal dans les séries, c'est too much, et là j'ai trouvé que non, c'était assez réaliste. Oui, un autre truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que on parle enfin, mais qu'ils abordent la question du viol pour les hommes, et j'ai trouvé ça très très bien parce que ça permettait de montrer que voilà, c'est pas un truc qui concerne que les filles, et je pense qu'ils s'en sont assez bien sortis sur ce coup-là, ils ont bien rattrapé le coup des scènes un peu choquantes dans la saison précédente. Ensuite, par rapport à la suite, je suis très contente parce que on va revoir le garçon. Alors, je ne connais plus son nom, on l'a très peu vu, mais c'est vraiment mon nouveau crush. Ce mec est magnifique. Si on atteint plus de vues sur cette vidéo que sur celle de l'année dernière, je le mets en bannière YouTube pendant un an. Mais vraiment, il est trop beau. Bref, ce n'est point la question. Il est très mignon, beaucoup de charisme. Bref. Le copain de Monty, à la fin, il va voir Annie et il lui dit: bah t'as menti, il a pas tué Bryce, et je pense qu'il va vraiment faire partie de la prochaine saison. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça? Ils vont peut-être faire un peu un truc un peu plus policier par rapport au fait qu'il se soit fait assassiner dans sa cellule. On sait même pas s'il s'est tué, s'il s'est fait assassiner. Ça, c'était vraiment envoyé en mode allez, on vous donne une info, on verra comment ça se passe l'année prochaine. Pareil pour le truc des armes qu'il trouve dans le fleuve. Enfin, c'est ridicule, je trouve, mais bref. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Personnellement, je suis assez ouverte, dans le sens où, vu qu'à chaque fois, c'est un an après, je suis pas encore, enfin, je suis pas toujours nostalgique de la saison d'avant, mais c'est vrai que ça s'éloigne complètement de la première saison, hein. Je veux dire, ça a plus rien à voir, mais moi, ça me dérange pas, j'aime beaucoup les séries un peu criminelles, un peu policières, et je pense que voilà, ça nous permet de suivre les personnages. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez par rapport à l'année prochaine. Essayez de marquer attention spoil si vous spoilez en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais moins de choses à dire que les autres années parce que cette saison, elle m'a plus laissé de marbre, même si le dernier épisode m'a beaucoup touchée, mais je l'ai plus regardé comme une saison, comme une série que je, enfin comme une série, comme d'autres séries que je vais regarder, juste divertissante, plutôt comme une série qui va vraiment me prendre au cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ciao les amis.